troisième audience relative à l'affaire Martinez-Zogo, le tribunal et la quarantaine d'avocats s'étripent sur la reproduction des pièces de procédure. Après 4 heures et demie de débat, l'audience a été renvoyée pour le 27 mai prochain. La semaine qui s'achève a également été marquée par moult sorties autour des Lions indomptables. Marc Brice, le sélectionneur, a rendu publique la liste des présélectionnés devant prendre part à la double confrontation Cap-Vert-Angola dans le cadre de la troisième journée éliminatoire de la Coupe du Monde. Dans le même temps, le torchon continue de brûler entre Marc Brice et la Fédération camerounaise du football. Nous en parlerons dans le cadre de ce rendez-vous des faits qui ont marqué de façon particulière l'actualité de la semaine. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour et bienvenue à la Rétro. Maître Achille Lejo, un autre invité, il est avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs conseiller juridique national au SDF, le Social Democratic Front. Maître, bonjour et bienvenue à l'émission La Rétro. Bonjour ma chère, bonjour à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de l'invitation, salutations militantes également à tous mes camarades combattants SDF qui nous écoute à travers le triangle national, notamment et particulièrement mes camarades combattants du SDF des arrondissements de Douala 2e, mon bastion électoral de Douala 3e et bien sûr de l'arrondissement de Bazou, mon natal. Merci. Alors, l'actualité au sein de votre formation politique est marquée ces derniers jours par la tournée de votre chairman, l'honorable Joshua Oshinabangui, porté à la tête de cette formation politique au terme du 10e congrès, le congrès d'octobre 2023, au terme duquel vous également, vous avez été porté conseiller juridique national. Alors, à mi-parcours de cette tournée nationale, que peut-on se mettre sous la dent? Oui, ben voilà, il faut dire que l'actualité au sein du SDF actuellement est marquée exclusivement par la tournée national du chairman, le président national, l'honorable Joshua Oshinabangui, après sa brillante élection à la tête du parti à l'issue du 10e congrès du parti tenu en octobre 2023. Effectivement, il était de bon ton qu'il descende y rencontrer la base, qu'il rencontre les responsables des structures du parti de la base, de la circonscription à, de la cellule à la circonscription, en passant bien sûr par les coordinations et les responsables régionaux, pour en réalité prendre une certaine communion avec eux, recueillir les informations, les problèmes, les préoccupations des compatriotes, des camarades de la base et sur le plan interne du parti, voir comment est-ce qu'il a apporté des réponses, pas des résolutions à l'issue des conseils, des sessions du NEC et bien sûr sur le plan national, en sa qualité de député, de pouvoir interpeller le gouvernement de la République sur certains manquements qu'il peut observer lors de cette descente. Quels peuvent être des manquements qu'il aurait pu observer, puisque ça fait quand même plusieurs jours qu'il est dans cette tournée nationale? Ce qui a par exemple fait jaser la toile, c'est la barricade de la caravane du chairman Joshua aussi dans le sud. Certaines compatriotes du village c'est dans le Mbam en tout cas. Oui, disons dans le sud. Dans le sud, oui. Et puis, eh ben voilà, sa caravane a justement été bloquée, la route barricadée, et l'honorable Joshua aussi était obligé de faire son meeting. C'était pas dans le Mbam, mais c'était non loin de Kiyosi, parce que c'est dans le sud, il faut préciser. Le Mbam, c'est dans le centre.
dans tous les cas, je dis, c'est dans le sud. Tout à fait. Et il était accompagné par une forte délégation du SDF, région du sud, dont à la tête le camarade Bidias, Gildas, je veux dire, Mbida, Gildas, qui de main de maître a essayé, comme il pouvait, de traverser cette étape et d'amener l'équipe du Tiemann à effectivement rencontrer les responsables des autres localités de cette région. Et nous disons, c'est inadmissible dans une république comme la nôtre qui prêche ou qui devrait prêcher par les leçons d'unité nationale, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, vous êtes chez vous. Vous ne pouvez pas aller au sud et on vous dit c'est le socle granitique, c'est-à-dire il ne voudrait pas avoir de son dissonant autre que ceux du RDPC parti au pouvoir parce que le président de la République, président du RDPC parti au pouvoir, est un natif de là. Ce qui est sûr, ce qui est certain, un jour, le socle granitique va se déplacer. Ça pourrait être à l'est, ça pourrait être à l'ouest, ça pourrait être dans toute autre région du pays. Merci. Et je ne pense pas qu'un autre enfant du sud viendrait être refoulé comme cela a été le cas. Merci beaucoup, Maître Achille Ledjo, pour cette première mise en bouche. Je rappelle que c'était l'actualité au sein de votre formation politique. La politesse voudrait que nous nous intéressions à ce que vous faites de façon plus précise au quotidien avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, la semaine a commencé par une prépondérance d'actes des hommes de droit, en l'occurrence au tribunal militaire, où vos collègues, vos confrères avocats font chorus pour demander une reproduction des pièces judiciaires, des pièces de procédure. Alors, est-ce un élément déterminant pour la suite de la procédure? C'est, je dirais, c'est un élément déterminant pour le procès, pas pour la suite. Je dis pour le procès, que ce soit pour la défense, que ce soit pour l'accusation, c'est une pièce importante. D'aucuns diront c'est une pièce incontournable. Alors, d'où la lex, cette lex. Je voudrais par là dire que ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas les magistrats qui sont des législateurs. Ce n'est pas eux qui font la loi. La loi est faite par le législateur. Et en ce qui concerne la loi pénale, elle s'applique erga omnes à l'égard de tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors, que dit la loi sur ce point? Le code de procédure pénale donne la possibilité à toutes les parties à un procès de pouvoir obtenir une copie du dossier de procédure. En l'occurrence, l'article 165. Très bien. L'article 165. Ensemble, les dispositions de l'article 164 permettent à toutes les parties d'en obtenir. Il est inconcevable que l'on puisse vous dire non, nous allons vous permettre juste le droit à la consultation. Sur quel fondement juridique légal le tribunal militaire de Yaoundé, que j'ai trouvé jusqu'ici très professionnel, se base-t-il pour pouvoir dire ou alors pouvoir permettre le droit de consultation? Il n'y a pas un précédent, il n'y a pas un fondement légal. Sur le plan technique et sur la science, vous ne pouvez pas défendre valablement un dossier sans ce document.
Ok, mais il y a l'article 413 qui est plus dans les généralités et qui est convoqué pour manifester cette réticence vis-à-vis de la demande des avocats. Quels peuvent être les mobiles de cette réticence du président du tribunal militaire de Yaoundé? En réalité, il faut dire que je ne suis pas dans le dossier, mais j'ai eu à échanger avec les avocats dans ce dossier. J'ai eu à partager les plateaux de radio et de télé avec les avocats qui sont les confrères qui sont dans ce dossier. Mais laissez-moi vous dire que la tâche n'est pas facile. Déjà, au niveau de l'information judiciaire, il faut noter que la partie, je veux dire, les avocats des victimes se plaignaient en ce moment de ce que tout se passait sans les associer à la procédure. Nous comprenons que la procédure à ce niveau se voudrait, c'est très... Nous mettons ça de côté. Mais lorsque l'ordonnance de renvoi a été signée et signifiée à qui de droit, il est de bon ton qu'on permette que les éléments d'un procès équitable puissent être observés. Okay. Les éléments d'un procès équitable, c'est permettre à la défense, à l'accusation, d'avoir les éléments d'accusation et de contre-accusation. Maître Achille Djo, au regard de la délicatesse de ce procès, de l'affaire Martinez-Zogo, est-ce que vous pourriez comprendre que le président du tribunal refusa de céder ou alors de se soumettre à l'article 165 en justifiant sa position par le fait que des noms qui ont été compilés au moment de l'information judiciaire pourraient se retrouver sur la place publique? Je vais vous dire que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas des avocats dans ce dossier, ça ne dépend non plus de vous. Ça ne devrait normalement dépendre non plus du président du tribunal ou de la collégialité commise pour instruire ce dossier. Ouais. Nous devons respecter ce que le législateur pénal a prévu. C'est peut-être des situations, c'est peut-être des cas comme ça qui pourraient permettre au gouvernement d'initier un projet de loi pour des amendements ou pour des correctifs. Pour le moment, on applique la loi. On pourrait peut-être aboutir à une forme de jurisprudence plus tard. En réalité, la jurisprudence ne devrait pas être une jurisprudence qui s'écarte de l'esprit et de la lettre de la loi. Il faut qu'on se comprenne bien. Mm-hmm. Sinon, ça devient un imbroglio, un état où le législateur devient le juge. Non. Le législateur a dit, lorsque vous voulez une copie du dossier, vous en fassiez à qui de droit la demande, vous payez les frais et on vous en délivre. Maintenant, je peux m'imaginer sans comprendre, je peux m'imaginer que de façon sous-jacente, ce qui pourrait soutenir ou motiver cette attitude de la collégialité partant du président du tribunal militaire dans cette affaire serait, je suis au conditionnel, serait la délicatesse du dossier. Or, voyez-vous, il y a eu des dossiers plus délicats que cela. Vous avez vu, monsieur, je ne citerai personne, il y a tout un gouvernement en prison. Ne me dites pas que les conseils n'ont pas eu les dossiers de procédure. Pourtant, c'est des dossiers classés, suivis dans notre jargon. C'est des dossiers très sensibles. Je comprends également que dans le dossier Martinez-Zogo, au niveau de l'information judiciaire, il y a beaucoup de choses qui ont été recoupées. Mais le législateur pénal, la loi, nous dit que lorsque l'audience a commencé, elle devient publique.
C'est entendu, nous allons davantage en parler dans les prochaines minutes. Allons au fait à travers ce compte rendu d'audience du 6 mai dernier à Yaoundé avec Janice Kanga. Troisième audience dans le procès de Maxime Eko et compagnie et toujours pas d'ouverture des débats. La pomme de discorde, c'est que de manière unanime et formelle, l'ensemble des avocats de tous bords, défense et partie civile, soit une trentaine, réitèrent l'impératif d'entrer en possession du dossier en vertu des principes fondamentaux d'égalité des armes et du droit à un procès équitable. Nous avons demandé la reproduction du dossier pour qu'on mette un exemplaire à notre disposition. Le ministère public a un exemplaire du dossier. Le code de procédure criminelle est clair. Il suffit simplement que nous payions les frais pour qu'on mette cela à notre disposition. Mais de l'autre côté, on a l'impression qu'on veut nous dire non, il faut qu'on se limite à la consultation du dossier. Nous disons que non. Pour motiver sa décision, le tribunal évoque l'article 413 du Code de procédure pénale qui dispose que chaque fois qu'il le souhaite avant l'audience, les conseils peuvent consulter le dossier. Une mention qui ne rencontre pas l'adhésion de ces derniers qui, à tour de rôle, crient à la violation des droits de la défense. La bataille entre dispositions légales et principes généraux de droit laisse les camps dos à dos. C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher dans ce dossier. À l'époque, on a dit qu'il faut que tout le monde sache ce qui se passe dans ce dossier. Alors, c'est le meilleur moyen de prouver qu'on n'a rien à cacher dans ce dossier et qu'on mette donc à notre disposition la copie du dossier. Moi, mon souci, c'est le souci du bon droit. Et là, l'interprétation doit pouvoir se faire en faveur de la transparence. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes le plus grand intérêt à se mettre à l'abri de toute suspicion par les acteurs d'aujourd'hui ou par les témoins de demain. Au final, l'audience de ce jour est renvoyée au 27 mai prochain pour permettre au tribunal de se prononcer une fois de plus sur la dite requête, également sur la demande de levée de scellé sur le corps de Martinez Zogo et sur la constitution des maîtres Assira et Likefak comme avocat de l'État du Cameroun par DGRE en qualité de civilement responsable dans cette affaire. Tel que c'est parti, on n'est pas loin d'une saga judiciaire dans l'affaire Martinez-Zogo. Maître Achille Lejo, quels peuvent être les impacts de cette réticence-là sur la suite de la procédure? Nous sommes en plein dans ce que vous avez bien fait de le dire. Nous sommes en plein dans une saga judiciaire. Et ce qui est certain, c'est un blocage qui s'annonce. Tant que le tribunal ne va pas se prononcer sur cette demande des avocats, ce sera un blocus. Et rappelez-vous, que ce soit les avocats de la défense, que ce soit ceux des accusés, tous font bloc pour que le dossier, une copie du dossier de procédure, leur soit remise. Alors, ce qui est sûr, avec ce blocage, le président devrait ou devra prendre une décision réglant ce problème. Sur le plan scientifique, nous appelons ça une décision avant d'ouvrir un ADD. Et sur le coup, les avocats, quel que soit le bord qu'ils occupent, vont immédiatement interjeter appel. Et justement, le dossier au niveau du tribunal militaire doit d'abord être mis de côté, le temps que la chambre d'instruction ou alors la cour d'appel, oui, la cour d'appel puisse voir ce qui a lieu de dire relativement à ces appels. Et s'il arrive que la cour d'appel donne droit à ses avocats, le tribunal militaire sera obligé, je dis bien obligé, de leur donner les copies de procédure de ce dossier. Mais alors, si la cour d'appel, pas extraordinaire, je dis bien pas extraordinaire parce que je ne vois pas
quel fondement juridique sur lequel peut s'appuyer une cour d'appel pour ne pas la leur permettre. Alors, si par extraordinaire la cour d'appel va dans le sens de leur dire non, ils vont tout simplement se pourvoir en cassation. Et lorsque la Cour suprême va trancher, on va revenir maintenant au niveau du tribunal administratif avec, je vais dire au niveau du tribunal militaire, merci, avec la décision de la Cour d'appel et l'implémenter. Tout simplement, lorsque la Cour suprême aurait dit le droit, tout le monde devrait se plier, à moins de chercher maintenant à saisir les instances régionales ou sous-régionales ou alors internationales pour voir dans quelle mesure. Mais dans tout ça, je dis, c'est un blocage qui profile à l'horizon. Et que ce soit la partie civile, que ce soit les accusés, tous ont déjà le mental que c'est une procédure. Tout est à cette étape de la procédure, tout est déjà dessiné. Il y a les prémices, les ingrédients rassemblés pour que les avocats interjectent appel jusqu'au niveau de la Cour suprême. Nous restons très attentifs à cette procédure judiciaire. On rappelle, le corps de Martinez Ogo reste gardé au frais depuis 1 an et 5 mois déjà. Nous parlons de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cette semaine, 4 assaillants sont tombés dans les mailles de l'armée. Ils ont été neutralisés. Nous revenons sur cette actualité également dans la région du littoral, précisément dans le Mungo, où on parle de l'opération Tentacule qui a mené à l'effet de débusquer les malfaiteurs jusque dans leur dernier retranchement. C'est un double reportage que nous propose Emeka, Terine Mukuri et Titi Freeman. 4 corps exposés sur la place public au village Ndop ce dimanche. Ils sont présentés comme le reste des combattants séparatistes qui sémaient la terreur dans ce département de Ngoketundia. Un raid fructueux pour les militaires et éléments de la brigade d'intervention rapide en mission dans cette zone en crise. Pour les forces de sécurité, ces hommes ont longtemps travaillé aux côtés du pseudo-général Nopichi, l'un des leaders, lui également neutralisé après les attaques meurtrières du village Bamessing, au cours desquelles des dizaines d'hommes de l'armée camerounaise avaient trouvé la mort. Ndop à Babessi, le week-end a été ensanglanté dans cette partie du pays et l'exposition de ces corps sur la place publique a sorti les populations curieuses de leur maison, elles qui vivent sous le rythme des villes mortes imposées par les séparatistes. Tout objet compromettant va être saisi. Fouille systématique de ce domicile au quartier Bouadibo, dans le département du Mungo. L'action est menée par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral, dans le cadre de l'opération Tentacule. Souza, Kappa, Bomono, Bepoko et Yato sont eux aussi passés au scanner des Pandore. Cette opération avait un objectif de contrôler, de fouiller, d'identifier également les populations dans cette zone. L'opération de bouclage dans les rues et domiciles de ces quartiers criminogènes de la localité aboutit à la saisie d'une importante quantité de drogue, d'objets et biens volés et à l'interpellation d'une centaine de personnes sans carte nationale d'identité. Nous avons interpellé 305 personnes, donc 151 n'avaient pas de carte d'identité. Nous avons saisi 125 motos, 27 bidons de carburant, 8 fûts d'éthanol, 13 fûts de carburant, 3 téléviseurs. Et la liste n'est pas exhaustive. Armes blanches, pistolets, munitions et bérets militaires sont également découverts. Un nettoyage bénéfique pour les populations de ce département. Nous sommes très contents parce que le quartier était déjà comme on est ailleurs. On agressait les gens dans la journée. C'était vraiment un grand chapeau et je voudrais que ça continue. La descente est l'occasion de rappeler aux populations l'intérêt capital de leur rôle par le renseignement et la dénonciation. Vous apportez le renseignement, nous apportons l'intervention nécessaire pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats. Le déploiement de nettoyage dans le Mungo aura duré 2 jours. Pour y éradiquer la criminalité, les Pandores annoncent des actions similaires de manière fréquente.
Retour sur ce plateau avec Maître Achille Lejo. On commence par le Nord-Ouest. Comment avez-vous apprécié ce dernier coup d'éclat de l'armée camerounaise, 4 sécessionnistes neutralisés? Oui, il faut dire que c'est le lieu d'adresser un satisfecit. C'est le lieu de reconnaître ces actes de bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui, au jour le jour, essayent de gagner du terrain dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Voyez-vous, nos compatriotes qui vivent dans ces deux régions sont pris dans les ténailles d'une violence qui ne s'explique pas de la part de ceux qu'on a dénommés les sécessionnistes. Malgré tout ce qui a été proposé comme solution, ils sont restés campés sur leur position parce que au sein du SDF, il est également question de comprendre que la sécession n'est pas à l'ordre du jour. Tout à fait. Je ne vais pas vous couper, mais je vais quand même demander à la réalisation de nous accompagner avec quelques images d'habillage pour que nous vivions en temps réel ce qui s'est passé du côté de Bamenda. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais... Quatre corps expo. C'est aussi un soulagement de la part de ces populations qui, bon gré mal gré, vivent ce qu'ils ont également appelé le « ghost town ». C'est difficile d'être dans une situation de « no man's land ». Et lorsqu'on parle de « no man's land », ça veut dire il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de maître. Par conséquent, nous sommes dans une république. La république voudrait que les droits de chacun aient des limites. Vous ne pouvez pas vous permettre du jour au lendemain de prendre les armes contre la mère patrie et croire que ce serait impuni. Nous avons dit par le passé, et j'ai parcouru plusieurs plateaux de télé et de radio pour expliquer qu'effectivement, la cause porté au départ par les anglophones était une cause défendable, était une cause louable, parce que marginalisée, parce que toujours mis en arrière-plan par rapport aux fruits de notre économie nationale, par rapport au programme de développement des régions. Le gouvernement a compris, me semble-t-il, et après le grand dialogue national, je pense, à mon humble avis soit-il, qu'on devrait d'abord laisser les anglophones s'asseoir. Parce qu'actuellement, il y a 3 tendances. La tendance fédéraliste, la tendance unitaire, la tendance des sécessionnistes. Alors, asseyez-vous et rapportez-nous, vos souhaits. Et à l'issue de cela, on pourrait voir ce qu'on peut apporter comme solution. Déjà que la tendance sécessionniste est à bannir. Il faut déjà le préciser. Sauf que le gouvernement, quelque part, a joué aussi aux autistes. Et c'est ça qui me permet de dire, si la situation a perduré, si la situation est arrivée à ce niveau de pourrissement, les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas pour autant soutenir la violence inouïe que l'on observe de ce côté-là. Alors, Maître Achille Lejo, sur le terrain, en termes de rapport de force, on voit bel et bien que l'armée camerounaise a la formation, a les capacités de tous bords, que ce soit des capacités physiques et logistiques pour neutraliser les assaillants, mais comment analysez-vous ce comportement de résistance, ces stratégies de résistance que les sécessionnistes continuent de déployer? Parce que vous savez, vous vous en souvenez, chaque fois qu'ils ont demandé qu'il y ait Ghost Town, les populations l'ont respecté à la lettre.
Oui, plusieurs facteurs, plusieurs éléments pouvaient expliquer ça. Moi, particulièrement, j'ai fait cette région, j'ai parcouru de Douala jusqu'à Sichon. Sichon Hospital, donc très très loin là. Oui. Ils savent où est situé Sichon, donc j'ai parcouru toutes les zones Landop et tout le reste. Pour vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Sur le plan de la géographie déjà, eux, je vais dire les locaux, ont la maîtrise du relief que nos soldats qui sont mieux équipés. Et sur le plan humain, sur le plan de la logistique, sur le plan matériel, nos forces de défense, de sécurité sont mieux équipées, sauf que le relief leur est parfois un obstacle. Défavorable. Ça, c'est d'un de l'autre chose. De l'autre côté, pourquoi est-ce que les mots d'ordre de Gostan sont souvent respectés à la lettre? Parce que, vous savez, le gouvernement de la République n'a pas compris qu'il fallait rapprocher l'administration de la population, notamment la sécurité. Restons ici à Douala pour être simple. Regardez une zone comme PK, de PK 15 jusqu'à TPK 21. Il y a un seul poste de gendarmerie. Je dis poste, je n'ai pas dit qu'une brigade. Je dis un poste de gendarmerie qui est à PK 17. Seule l'université de PK 17. C'est-à-dire, s'il y a un mouvement à l'université PK-17, ce poste de gendarmerie ne peut pas supporter de contenir, ils doivent appeler le renfort. C'est pour dire que quoi? Si jamais il y avait un mouvement pareil dans cette zone-là, seuls ces gens sont maîtres de la situation. Il n'y a pas de poste avancé de la sécurité. Donc, quand vous regardez aujourd'hui la population et les postes de sécurité, c'est souvent éloigné de la population. Vous êtes seul dans votre contrée. Si vous ne respectez pas, quand on viendra vous prendre, vous serez seul face à votre sort. Et puis, lorsque, malgré leur bon vouloir, malgré ce qu'ils ont, malgré le respect de leur engagement, honneur et fidélité, quand nos forces de défense et de sécurité descendent avec souvent l'artillerie lourde, on les en dépossède, j'en arrive. Alors, au début de cette crise, vous allez constater que les sécessionnistes, comme on les appelle, enregistraient beaucoup de situations favorables. Pourquoi arrivaient à renverser les véhicules? Les véhicules parfois blindés de nos forces de défense. Les incendiaires, on en a vu. Les incendiaires, un catépillard complètement incendié. Récupérer les vêtements, les treillis, récupérer les armes lourdes. Et au fur et à mesure que les forces régulières perdent le matériel, vous voyez que de façon corrélative, l'adversaire qui est un adversaire inconnu grandit également en termes de puissance. D'où ça, la difficulté d'une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique parce que ces gars sortent à l'improviste, frappent et fuient et partent se retrancher où c'est difficilement accessible par les forces républicaines. Ou se fondent dans la population, puisqu'ils ne sont pas toujours en tenue, ils se fondent dans la masse et difficilement, on ne peut pas les repérer. Nous allons justement... Autant de modes opératoires. Voilà, on va également s'intéresser à l'opération Tentacule, qui a été menée dans le département du Mungo cette semaine. On parle de plus de 100 personnes dans un périmètre restreint. Plus de 100 personnes sans carte nationale d'identité sur le territoire camerounais. On voit des ressortissants des pays de la sous-région qui se meuvent à longueur de temps. Ils n'ont même pas parfois où dormir. C'est des sans domicile fixe, c'est des SDF, voilà, qui dorment sur leur moto, qui ne sont pas identifiables. C'est toujours des poches d'insécurité si on n'y prend pas garde, non? Ces actions sont les bienvenues pour essayer d'extirper de la société, c'est hors la loi. Sauf que ces actions, n'est-ce pas, également prises sur le plan, je vais dire de façon isolée,
n'aide pas la population à, dans la durée. De façon ponctuelle, oui, ça doit essayer de ramener la calmie, ça doit essayer de ramener de l'assurance au sein de la population, mais vous allez vous rendre compte que, et je vous prends à témoin, on va vous appeler encore peut-être 6 mois après, 1 an après, pour venir faire ce genre de reportage. Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, des contrôles systématiques des CNI? D'abord, il fallait qu'on mette sur pied un mécanisme pour identifier toutes les motos qui entrent au Cameroun. Vous allez me dire que ça existe, mais il n'y a pas de plaque d'immatriculation qui suit. Toutes les motos qui entrent, lorsque ça quitte du grossiste pour le conducteur, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de barrière pour l'immatriculation. Mmh. On peut vous agresser à bord d'un engin à 2 roues que vous n'avez pas la possibilité de retrouver, ce reste les traces. Quand moi particulièrement, s'il m'arrive de prendre un taxi, avant d'entrer, ça c'est un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, je regarde le numéro de portière. À l'intérieur, s'il n'y a pas de numéro de portière déjà, je vous dis d'avancer. Ça c'est la première des choses. À l'intérieur, mon premier réflexe, c'est de regarder le numéro du badge qui est accroché là. Quand je ne vois pas de badge et que je suis pressé, j'essaie de garder mon mal. Et puis, je me souviens, je garde en mémoire le numéro de portière. C'est très important. En ce qui concerne les motos, vous allez beau faire ce que vous venez de faire là, sauf que les bandits également, les hauts-la-loi, sont dotés d'une ingéniosité débordante. Ils vont revenir avec des méthodes diverses. Ce que je préconisais, c'est absolument que les motos soient immatriculées. Et deuxièmement, il faut créer les unités de sécurité suivant un périmètre bien défini. Lorsque vous quittez de Souza pour Mbanga, il y a un endroit qu'on appelle Compina. Je puis vous dire, en tant qu'avocat, j'ai eu des dossiers de coupeurs de route venant de là. C'est-à-dire, lorsque ils voient 19-20 heures approcher, ils jettent les clous en route. Lorsque ça te prend, toi personnel, véhicule personnel, le moment de criquer pour enlever la roue, changer, ils vont vous prendre là-bas. Et vous comprenez et vous conviendrez avec moi qu'il y a un seul poste de gendarmerie de Compina. Et Compina, la population de là est très vaste. Il m'est arrivé de faire des descentes là-bas avec des unités de gendarmerie d'ici. Et eux-mêmes, les hommes en tenue, m'ont dit qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Nous ne disons pas qu'il faut un gendarme par citoyen, ce qui est déjà impossible. Nous demandons tout simplement de multiplier les postes de sécurité de gendarmerie ou de police dans l'arrière-pays. Ici à Douala, c'est facile, mais je vous dis, dans l'arrière-pays, il le faut. C'est entendu, Maître Achille Lejo. On parle davantage de délestage en énergie électrique au Cameroun. Ça arrive au compte-gouttes de plus en plus. Dans le même temps, on a enregistré les 60 premiers mégawatts injectés dans le réseau interconnecté sud il y a 4 jours. C'était en Dokea, c'est une localité de la Haute-Sanaga. Mais avec Junior Houssan, nous allons vivre cette réalité des populations qui ont encore du mal à avoir de façon permanente, soutenue et continuelle l'énergie électrique dans leur domicile. Ça transpire à grosses gouttes de sueur à cause des coupures d'électricité intempestives. Chacun ne vous laisse pas m'en faire avec, parce que même vous-même là, vous transpirez. Le phénomène de coupure d'énergie électrique
trouble le moral des habitants de Douala. On lui dit qu'il y a un transformateur qui est grillé et on nous dit souvent que le barrage aussi a un problème. On n'arrive pas à comprendre. On ne comprend rien du tout. Là, on est là, on subit. Depuis plusieurs jours, des quartiers administratifs, des centres-villes et autres coins de la cité économique connaissent de longues périodes de coupures d'électricité. Un quartier administratif, comment quoi? Il n'y a pas de lumière. On va travailler comment? Les sécurités vont travailler comment? On a fait 4 jours à Bonanjo, sans courant, j'ai jamais vu. Ici à Bonanjo. Est-ce que c'est seulement à Bonanjo seul qu'on coupe la lumière? La lumière, on coupe la lumière partout. Que ce soit à quoi, Bonanjo, Bonaprizo, il y a les coupures. Donc c'est tous les jours, parfois 3-4 jours, il n'y a pas d'électricité. Les conséquences sont énormes pour les victimes, parfois obligées, pour celles qui en ont les moyens, de faire recours au groupe électrogène. Ah, ça nous crée beaucoup de manque à gagner au niveau de la clientèle, au niveau des acolytes, au niveau de nos partenaires, que ce soit moins. On a beaucoup de manque à gagner par rapport à ça. Je fais peut-être 3 jours sans électricité, je n'arrive plus à honorer mes rendez-vous. Une solution apportée au problème d'électricité au Cameroun est la vulgarisation des énergies renouvelables. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie en a parlé. L'objectif, combler la capacité de 1500 MW au bénéfice des ménages et des entreprises à l'horizon 2030. Maître Achille Djo, vous êtes à Douala et votre cabinet d'avocat également, c'est à Akwa. Vous n'avez pas été épargné par ces journées sans courant, sans énergie électrique. Ma chère, c'est que mon cabinet est à Akwa et mon domicile à PK15. Je n'ai pas d'électricité à domicile, c'est-à-dire vous pouvez faire plus de 2 jours sans électricité au cabinet. Ce que je dis, vérifier. Les internautes peuvent vérifier. À quoi? C'est toujours les vrombissements de groupes électrogènes. Lorsque vous avez 2 bureaux côte à côte, telle personne met son groupe, telle autre met son groupe, vous faites quoi? Vous voyez, au bureau, je ne peux pas travailler. À domicile, non plus. Et nous payons tout ce qui vient comme facture. Ce matin même, j'étais encore chez moi. Je dis ce matin, quand les agents de Camboate sont arrivés pour remettre la facture, ils étaient surpris que dans le quartier, nous sommes à 2 mois sans eau. Au quartier d'Alas, à PK15. C'est dans les factures de quoi? Il n'y a pas un contrôle systématique? J'ai pas voulu les stigmatiser puisqu'ils ne sont que des exécutants. J'ai pris la facture et le monsieur, ils étaient 2. Ils ont pris les pinces, ils ont démonté mon courant, mon compteur autant pour moi, pour s'assurer que effectivement l'eau vient ou ne vient pas. Ils se sont dit, ça pourrait être au niveau de mon branchement. Ils sont montés au niveau de mon branchement, au niveau des grands tuyaux de canalisation. Et ils m'ont dit, on a oublié votre secteur. On a oublié de ravitailler. Non, d'ouvrir, je ne sais pas comment ils appellent ça chez eux, d'ouvrir peut-être la vanne qui devrait alimenter mon secteur. Voilà comment est-ce que la population camerounaise se tue, est torpillé par le régime en place. Vous parlez du barrage de Nartigal, le 31 décembre 2023. Que disait le président de la République? Dans quelques jours, le barrage hydroélectrique de Nartigal sera mis en jour. Je veux dire, entrera en production et suivant la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, document stratégique de développement du RDPC, il y est dit que le barrage hydroélectrique de Nartigal devrait produire 420 mégawatts. Pour combler le déficit énergétique. Oui. Très bien. 420 mégawatts. Aujourd'hui,
on nous donne d'abord 60. Prenez d'abord 60. Avec les 60, le Cameroun est à peu près, un peu au-dessus de 2000 mégawatts. À l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, les projections du gouvernement du renouveau disent qu'on sera à 5000 mégawatts. Regardez là, SND30. D'ici 2030, le Cameroun doit pouvoir avoir une autonomie de production de 5000 mégas. Avec les 60 mégas qu'on vient de mettre dans le réseau interconnecté sud, ça va monter à peut-être 2050 ou moins, pas plus, 2050 de mégawatts. Vous comprenez que nous sommes dans une république des promesses. Cela fait partie des grands projets structurants du septennat 2011-2018 du président de la République qui promettait déjà aux Camerounais un devenir meilleur en ce qui concerne l'énergie électrique et l'eau. Rendez-vous compte qu'après 43 ans ou 42 ans de gestion sans partage du pouvoir, on soit en train de distribuer l'eau à Yaoundé avec les camions citernes. C'est pas de trop? C'est terrible. C'est une question rhétorique. Nous disons tout simplement que le Camerounais, c'est quelqu'un qui connaît se résigner. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui connaît accepter qu'on puisse marcher sur lui. Mais il est des moments où il faut dire non. Maître Achille, et les Camerounais disent non. Maître Achille Lejo, oui. Des informations que nous avons glanées lors de nos opérations de collecte, il a été dit, promis d'ailleurs, que d'ici la fin d'année 2024, les 420 mégawatts pourraient pour la grande partie être injecté dans le réseau interconnecté sud. Nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas des effets d'annonce ou encore des promesses, comme vous le dites tantôt. Nous allons parler de politique à présent. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui a été interdit de meeting. Leur meeting était prévu justement à Maroua, c'est dans la partie septentrionale du Cameroun. Eh bien, le président, le professeur Maurice Kamto, a dit « Niet 2025, on n'en entendra plus parler ». Et c'était dans un ton vert de colère qui s'est exprimé à Yaoundé au lendemain de cette autre interdiction. Nous vous proposons ces deux reportages pour mieux comprendre cette autre actualité. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans l'extrême nord attendront encore avant d'assister à l'installation des responsables nouvellement élus dans les démembrements du parti. Le communiqué du sous-préfet de Maroua 1er évoque les menaces d'affrontement et troubles à l'ordre public, alors qu'au MRC, l'on précise qu'il s'agit d'une simple installation des responsables. La cérémonie d'installation des organes de base récemment élus dans notre région, cela va de la normalité de la vie des partis politiques. Les responsables régionaux du parti de Maurice Kamto disent ne pas comprendre cette décision de l'autorité administrative. Inadmissible que dans un pays qui se veut démocratique, on sorte des interdictions fallacieuses aux partis politiques qui veulent faire des cérémonies publiques. C'est tout à fait et tout simplement honteux. Le stade étant gras de Domayo, dans l'arrondissement de Maroua 1er, ne va pas accueillir le meeting initialement prévu. Et au MRC, on compte relancer le dossier. Mais nous n'abandonnons pas, puisque nous allons encore déposer une déclaration dans les jours à venir pour insister sur notre voie d'organiser une cérémonie d'installation. À Maroua, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a récemment procédé au renouvellement d'hommes à la tête de ses structures. L'extrême nord et le sud, récemment non grata pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au motif de risque d'affrontement.
Maurice Kamto hausse le ton. Ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Maroua, le président national de ce parti s'interroge. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. L'homme politique va plus loin en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit. On va s'inscrire. Allons à 2025. Mais je leur dis, n'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qui n'essaye pas en 2025. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais ici au siège du parti à Oudia, Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où ELECAM avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 millions 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même ELECAM annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 millions 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droite termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Alors, partagez-vous ce coup de colère du professeur Maurice Kamto? Oui, ben voilà, ma chère, il faut dire, la situation est inquiétante. Personnellement, je dis à titre personnel, je partage ce coup de colère du président national du MRC. Il a mon soutien, personnellement, il a mon soutien parce que en 23 ans de militantisme politique dans mon parti de cœur, le SDF, nous avons vu des murs et des vertes. Le RDPC, parti au pouvoir au Cameroun, en fait de trop. Et l'ECAM, qui est l'organe censé être indépendant pour gérer la chose électorale, qui se veut être impartial, aujourd'hui a pris fait et cause pour le RDPC et le parti le RDPC et l'administration. Est-ce nouveau? C'est pas nouveau. Nous l'avons toujours décrié. Nous l'avons toujours décrié au sein du SDF. Et si aujourd'hui le professeur Maurice Kamto gronde, c'est pas pour dire que c'est pour dire qu'il y a des éléments factuels qui militent pour comprendre cet état de colère. Première des choses, les chiffres du recensement général de la population et de l'habitant tenu en 2005. Ces chiffres ne sont plus d'actualité.
Mais malheureusement, c'est toujours à base de ces chiffres que l'on fait le découpage électoral. Un autre recensement était attendu pour 2015. Jusqu'aujourd'hui, rien. Ça fait 9 ans. Vous allez voir, je prends un exemple, la circonscription électorale de Douala, deuxième. Un seul siège de député. Un seul siège de député. Mais allez voir ailleurs, où ils appellent Voré-Est, c'est-à-dire Douala 5e et Douala 3e, autant de sièges. Revenons ici, là-bas on dira même que on pourrait me retorquer ces deux arrondissements. Prenez Douala 2e, prenez Douala 1er. Douala 2e, un seul siège. Douala 2e, un seul siège, Douala 1er, pratiquement 3. Ou un peu plus, si je m'abuse. Qu'est-ce qui explique cela, cette disparité? C'est un calcul, ça participe des calculs politiciens. Il faut qu'on se comprenne bien. Lorsqu'on va vous dire, par exemple, que la population de Douala Premier, fondamentalement, c'est les gens rattachés à la cause du RDPC, il faudrait donner plus de sièges là-bas. Quand on va vous dire Douala 3e, faites attention, Douala 5e, c'est un électorat constitué des Bamilikés de l'Ouest, des gens anglophones, c'est-à-dire l'opposition. Il faut baisser, il faut diminuer. Vous voyez un peu. Et lorsque l'on rentre maintenant dans ce que le professeur Maurice Campo décrit, les chiffres. Comment est-ce que, avec l'engouement que vous constatez aujourd'hui, on vous dise que l'on est à 7 millions un peu plus d'inscrits sur le fichier électoral? Tous, alors qu'on venait de nous dire lors des élections présidentielles ou municipales passées qu'on était à 6 millions 500. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a un peu plus de 7 millions. Tout ça parce qu'ils veulent réduire au maximum la masse critique. La masse critique, c'est-à-dire que c'est cette portion de l'électorat qui peut faire basculer le pouvoir à droite ou à gauche. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde le corps électoral, on se rend tout simplement compte que ceux des Camerounais qui sont obligés de s'encarter RDPC sont dans les 2 millions. Les abstentionnistes, 1 million. Le reste ne pourrait être que la masse critique. Or, si avec cette campagne sur les listes électorales, on arrive à un minimum de 9 millions d'inscrits, je peux vous dire, ma chère, le RDPC va tomber dans l'opposition. On attend de voir et on espère que, avant les élections, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, ainsi que l'organe en charge de l'organisation des élections et les CAM s'entend, vous partirez justement sur une base consensuelle. C'est ce qu'on espère le plus. Je vous vois peu optimiste par rapport à cela. Oui, il faut dire que la multiplication des dynamiques de coalition sur le terrain, nous avons à droite l'APC, nous avons à gauche l'ATP. Je dis tout simplement que nos leaders politiques doivent s'asseoir et choisir un candidat derrière qui l'on devrait véritablement tous converger. Mais, chers compatriotes, la coalition, c'est quelque chose qui peut également déboucher sur un fiasco. En ce qui concerne l'élection présidentielle, pour qu'on puisse débarquer le RDPC, au regard des niveaux de couac et d'embûche poser ça et là dans le code électoral au niveau de l'élection présidentielle, si nous n'avons pas un candidat consensuel,
Ce sera très difficile. Le SDF est-il prêt à accompagner un candidat qui ne soit pas Joshua aussi? Je pense que cette question, la réponse se viendrait de mon parti. Merci beaucoup. Il faudrait que le parti puisse donner sa position pour que nous, en tant que communicants, puissions porter la voix du parti sur votre plateau. Merci beaucoup. Nous allons sortir en sport. On a dit d'entame que l'actualité de la semaine a été prépondérante en matière de sport, notamment pour ce qui est de Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, en fin de semaine, précisément vendredi dernier, lorsqu'il était un peu plus de 12h, 13h, on a eu droit à la liste des présélectionnés pour la double confrontation Cap-Vert-Angola. Et de façon officielle, on l'a eu à 15h. Nous vous en donnons la teneur dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudji. Des étonnements à l'entente du point de presse du sélectionneur Marc Brice, ce 10 mai au stade Omnisport de Yaoundé. J'étais un peu étonné que je ne voie pas le président de fédération, parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Nous sommes ici venus avec une mentalité positive. C'est pas à moi de décider ça ou ça. Pour sa toute première sur le banc des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice a décidé de faire avec 30 joueurs, sélectionnés sur la base de plusieurs critères. Temps de jeu en globe, capacité à jouer collectif, mais aussi l'âge dont la moyenne varie entre 25 et 28 ans. Des absences, il y en a, mais le nombre et les qualités des nouveaux venus sont salués par la presse. On note une certaine profondeur dans cette liste. Cela montre que l'entraîneur a pris le temps de vraiment fouiller. 30 joueurs du 109 de joueurs que nous découvrons nous aussi. L'on salue aussi ici le retour des joueurs comme Michael Ngadeu, Eric Maxime Choupo-Moting et Collins Faye. On sait que Michael Ngadeu-Ganji est de retour en forme. On sait que Christian Bassogor retrouve de la forme du côté de Ankara Gushu en Turquie. C'est une liste assez compétitive de 30 joueurs. La liste est là, mais des questions se posent sur la suite des événements vu le climat toujours tendu entre la fédération et le ministère des Sports. Que tous les acteurs, tous les protagonistes apportent chacun le soutien à l'entraîneur, l'encadrement dont il a besoin. Ce n'est pas le moment de se braquer. Des informations que j'ai, c'est que la FECA Foot va accepter la liste de Marc Brice, va travailler avec ces listes, mais est-ce que la collaboration sera certaine? Je ne pense pas. Sinon, c'est une très belle liste des Lions Indomptables du Cameroun. L'entraîneur lui dit être ouvert et souhaite travailler dans un climat serein pour redonner au peuple camerounais la joie de regarder son football. L'affaire FECA Foot, MINSEP continue d'alimenter les commentaires dans les chaumières. Vous avez été au fait de cette liste des présélectionnés. Avant cela, il y a eu une réunion à la FECA Foot où était attendu Marc Brice et son staff technique. Il a brillé par une absence qui continue d'ailleurs de susciter moult interrogations. Comment vous avez vécu ces différents événements jusqu'à présent? On a le sentiment qu'il n'y a pas encore d'alchimie entre l'encadrement technique et la FECA Foot. Ben voilà, vous faites si bien de le dire, il n'y a pas encore d'alchimie entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère en charge des sports relatives à ces échanges épistolaire dont nous avons été témoins tout au long de cette semaine. Le ministère écrit, la FECA Foot répond, la FECA Foot écrit le même jour. Dans tous les cas, la FIFA aussi a réagi. Oui, bien sûr, puisque dans tous les cas, ce qui a lieu de retenir sur le plan juridique, c'est que seule la Fédération Camerounaise de Football est reconnue par la FIFA. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que tout ce que la fédération fera sera reconnu également par la FIFA. Donc, la team constituée par la Fédération Camerounaise de Football, tout naturellement, sera reconnue par la FIFA. Ne sera admis sur le banc de touche lors des compétitions CAF et FIFA que l'encadrement technique tel que
Validé par la FECAFOOT. Validé par la FECAFOOT. Un mot sur la liste des présélectionnés. On est au pas de course pour sortir. Oui, je pense qu'il y a, matière à satisfaction. Le retour, je le dis comme ça, sans être partisan de qui que ce soit. Je crois, Gandu, ça me fait du bien parce qu'il fallait de la niaque dans notre défense. Donc, pour le reste, je pense que j'ai rien à dire. Je dis tout simplement qu'il serait de bon temps que la Fédération Camerounaise de football, le ministère des Sports, essaie d'accorder leur violon pour que les fanatiques du football, comme nous, puissent retrouver les belles victoires d'antan des Lions. Et parce qu'il faut le dire, le football fait partie du soft power des nations. Donc, on est tous les yeux rivés sur ces différentes institutions afin que la paix règne définitivement. Il y a des confrontations pour la qualification en Coupe du Monde. Il est important de rasséréner pour que les équipes se déploient aisément, sainement. Ce sera ici que nous allons mettre un terme à cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous disons merci à notre invité, Maître Achille Ledio. Il est avocat au barreau du Cameroun, conseiller juridique national au SDF, le Social Democratic Front. Avec lui, nous avons passé près d'une heure d'émission à commenter, à mettre le curseur sur les faits qui ont marqué de façon intense l'actualité de la semaine. Maître Alice, Maître Achille Ledio, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Dans tous les cas, nous sommes disponibles. Bon vent à vous, bon vent à l'émission. Salutations une fois de plus à tous mes camarades combattants SDF. SDF is back. Thank you so much. C'est entendu. Mesdames, messieurs, merci d'être toujours là tous les dimanches et lundi à 9h pour suivre la rediffusion de ce programme. Dimanche prochain à 9h, je serai encore là, si Dieu le veut, pour vous rendre ce service, vous permettre de revivre de fond en comble avec un invité les faits les plus marquants de l'actualité de la semaine. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Allez, au revoir.